Donc ces assises de l'énergie nous permettent effectivement aujourd'hui de mettre en présence donc, tous les acteurs de l'énergie en Île-de-France, donc de faire le point donc, sur les derniers événements donc, depuis un an, puisque ces assises ont lieu tous les ans. Et donc on trouve aujourd'hui à la fois les collectivités, des entreprises, des associations, les agences, les services de l'État, donc qui échangent sur les questions d'énergie et aussi plus largement de gaz à effet de serre. Et ça permet de voir effectivement que tout le monde se mobilise aujourd'hui donc pour que l'Île-de-France donc, soit performante dans ces différents domaines. Donc pour atteindre ces objectifs très ambitieux, il faut mobiliser de nombreux acteurs. Les collectivités, naturellement, qui sont très mobilisées, et la région, déjà au premier rang de ces collectivités, qui s'est engagée dans son plan régional pour le climat, mais aussi toutes les collectivités d'autres dimensions, les petites communes, les intercommunalités, les départements, bien entendu, qui aujourd'hui se sont engagés dans des démarches importantes d'agenda 21, de plan climat, de bilan carbone faisant partie du plan climat, mais aussi d'approche environnementale de l'urbanisme. Donc toutes ces démarches collectives qui doivent permettre effectivement d'atteindre les objectifs. Et puis il faut aussi que les particuliers eux-mêmes donc, se mobilisent et ces particuliers sont aidés en cela par le conseil délivré par les espaces info-énergie. Il y en a 25 en Île-de-France qui sont dotés donc, de 80 conseillers info-énergie qui apportent donc des conseils très très efficaces donc, dans le domaine de l'énergie, non seulement sur le plan technique, mais aussi sur le plan des financements, hein, puisqu'aujourd'hui il y a des possibilités donc, dans le domaine par exemple vous savez, de l'éco-prêt à taux zéro pour la réhabilitation des bâtiments. Vous avez aussi le crédit d'impôt, il y a aussi le tarif de rachat de l'énergie renouvelable électrique. Donc tous ces conseils sont délivrés aux particuliers. Et puis plus largement, les particuliers bien sûr doivent se mobiliser dans leurs actes quotidiens donc pour améliorer leur sobriété énergétique, leur efficacité énergétique. Et donc ce sont tous ces acteurs individuels qui réunis donc, permettront sans doute d'atteindre les objectifs ambitieux donc, à la fois du Grenelle, du triple 20, etc. Et puis pour être complet, n'oublions pas les entreprises. Les entreprises qui font aussi des efforts considérables donc, pour leur fonctionnement, mais également par leur organisation. Je voudrais citer un exemple, ce sont les plans de déplacement d'entreprise. Vous savez que les entreprises génèrent donc, par leur activité beaucoup de déplacements, bien sûr des salariés, mais aussi de leurs clients ou de leurs fournisseurs. Et donc l'idée, effectivement, c'est qu'elles s'organisent pour faire en sorte que ces déplacements, d'abord, soient minimisés, mais également qu'ils se fassent dans les meilleures conditions, les plus efficaces sur le plan énergétique possible. Donc voilà un exemple d'action des entreprises, et il y en a beaucoup d'autres. Et cela complète bien les actions des collectivités et des particuliers.